Il existe plus de 5000 espèces de champignons au Québec. Aujourd'hui, j'en parle avec Lucien Brien, mycologue. Monsieur Brien, pourquoi il y a des champignons qui sont comestibles et non comestibles? Ah, c'est parce que les champignons, à force de vouloir prendre leur place, ils se sont souvent sentis envahis, soit par des animaux qui voulaient les bouffer, par d'autres plantes aussi qui prenaient leur place. Alors, ils ont développé un moyen de défense qui s'appelle les toxines. Ils ne sont pas tous toxiques parce qu'ils n'ont pas tous été trop envahis. Alors, il y en a qui n'ont pas développé de toxines, du moins contre les humains. Et au Québec, est-ce qu'on a beaucoup de champignons toxiques ou vénéneux? Oui, parce qu'en général, partout dans le monde, il y a une majeure partie des champignons qui sont toxiques et il y en a une très petite partie, peut-être 10 à 15 ou 20 % selon les forêts, qui sont comestibles. Ah, ici, on a un champignon très blanc. Si c'est la manite vireuse, c'est un champignon mortel. Elle est toute blanche, le chapeau est blanc, les lamelles sont blanches. Il y a un grand pied avec une volve, ici une boule, volve bulbeuse qu'on appelle, puis il y a un anneau. Mais là, si on mange ça, vous dites qu'on meurt, mais on meurt en combien de temps? C'est quoi les symptômes qu'on va avoir avant? Ouais, ça, c'est vraiment un champignon vénéneux et sa toxicité est lente et puis ça peut aller jusqu'à 36 heures, mais ça détruit le foie, la rate, l'intestin. Et c'est vraiment là, très, très toxique. C'est le plus toxique qu'on a, il est mortel. Il n'y a pas d'antidote. OK, je ne vais pas le voir, celle-là. Je pense qu'on peut le laisser dans la forêt. Parfait, on va le laisser là. Si un jour je suis perdue en forêt, maintenant, je sais quoi faire.